que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super fort. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dragon Age Inquisition. Alors, je vous accueille depuis toujours l'emprise du lion. Hein, voilà. Alors, on va faire un petit tour sur la carte hein, pour vous montrer un peu ce qu'on a fait. Hein. Donc, voilà, voilà. Alors, on s'est approché un petit peu. Enfin, on a découvert un petit peu tout ce coin-là. Là, donc, voilà. Donc, on s'est arrêté ici. Hein, voilà. Alors, nous sommes dans une... ce que je pense être une carrière hein, où grouillent des templiers rouges, voilà, voilà. Alors, on est en train de faire en même temps une petite quête, là, là sans le vouloir, donc sauvetage périlleux, hein, qui consiste donc à sauver des personnes qui auraient été enlevées par les templiers rouges. Hein. Donc, on en avait déjà pas entendu parler par une personne au niveau de... bah, dans le village de Sarnia. Alors, où est-ce que c'est ça doit être ça, là, voilà. Donc, ça, c'est la quête. Hein. Donc, il faut fouiller la carrière. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on a déjà libéré 4 groupes de villageois et non villageois. Hein. Ce sont pas des villageois un par un, je veux dire. Hein, voilà. C'est des groupes. Hein, donc, voilà. Donc, on a libéré 4 groupes. Hein. Donc, on y va. On va continuer. Hein. Voilà, voilà. Alors, on s'est arrêté ici. Alors, attendez. C'est vrai qu'on s'est arrêté devant cet embranchement. Donc, on peut aller par la droite, n'est-ce pas? Ou bien par la gauche. Allons, allons, jeter un œil à gauche d'abord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Hein? Hop. Espèce de caverne. Ouais, ouais, on peut appeler ça une caverne. Y a rien. Hein. Hein, on regarde en même temps s'il n'y a pas quelque chose. Hein. On sait jamais. Tiens. Alors, un petit coffre à fouiller. Magnifique. Alors, un petit arc. Hein, ceinture. Une côte intermédiaire. Voilà. Bon. Rien d'extraordinaire pour nous, quoi. Hein. Alors, il n'y a rien. Bon. Y a toujours rien. Alors, si on avance. Alors, où est-ce qu'on arrive là? Ok, bon. Tiens, il faut voiler. Hein, on va prendre une torche. Alors, qui dit feu voilé dit forcément une ruine pas loin. Voilà, voilà. Alors, il n'y a rien. Y a rien du tout, hein. Fouillez ça. Ok, alors 207 pièces d'or, puis une armure lourde. Ah ouais. Alors ça me fait penser qu'en prenant le feu voilé là, que je sais pas si vous vous rappelez au tombe émeraude dans la petite crevasse où on a trouvé Fairbank là, où qu'il y avait tous les réfugiés. Il y avait du feu voilé et puis on n'a pas trouvé la rune. Hein, hein. Donc est-ce que c'est pas un leurre aussi là donc. De toute façon, avec la torche, on doit l'entendre s'illuminer la rune, faire un petit ch'ting, hein. Et peut-être par là, non? C'est fourbe quand même. Ce serait fourbe de nous le remettre sur le chemin du retour. Alors, t'es où? T'es où? Ah. Ah, je l'ai entendu. Ah, voilà, elle est là. Vous avez vu, on entend. Un petit ch'ting. Ah, mais... Ah, mais pousse-toi! Nom de Dieu! Voilà! Donc c'est bon, on a obtenu la rune. Allons-y. Enfin, c'est pas une rune, hein, c'est un schéma de rune. Hein, mais à chaque fois, je vous dis une rune. Voilà, mais bon, vous avez corrigé de vous-même, hein, vous avez bien compris. Alors, du coup, bah, on va aller maintenant de l'autre côté, n'est-ce pas? Hein, voilà, par ici, allons-y. Alors, allons-y, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, un peu d'éternalite. Voilà. Allons-y. Hop. 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Essayons de ne pas tomber. Ah, il y a du monde en bas. Ah, en plus, il y a du monde. D'accord. Eh ben c'est bien tout ça, il y a du monde et tout.
Là, on va devoir leur foutre sur la gueule, hein, comme d'hab. Et alors? Et par là, il y a quoi là? Ah ouais, il y a du monde, hein. Et y a encore du monde par là. Eh oui. Hein? Ah, qu'est-ce que c'est que ça, un accès? Un accès, un accès, un accès. Pour descendre, hein? Tiens, une cache. Regardez ce qu'on trouve quand on cherche. J'ai pas cherché, hein, c'est rare. C'est apparu devant notre tronche comme ça, là. Vraiment coup de bol. Bah, on va continuer par là. Hein? C'est bien ça. Alors, où est-ce qu'on en est, là? D'accord. Y aurait un site important pas loin. Hein? Ah, voilà. Elle est là. Voilà. Enfin, Nous il est regardions de là, plus le près. site. Ouais. À tous les coups, c'est en bas. Hop, 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 j'ai failli tomber. Hop, 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 hop. Tous les coups, c'est en bas. Ouais. Hop, 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 hop. Et tombe pas. Hein. Tombe pas. Et bah, de toute façon, on peut y accéder par là, non? Est-ce qu'on peut y accéder par là? J'en sais rien. Faisons le tour. Hein. Qu'est-ce qu'ici? Éternalite! Attendez, on va se débarrasser de la torche, hein, parce que c'est bien une torche en pleine lumière, ça ne sert à rien. Et là? Ah bah, voilà, ils sont là! Il y a du monde là! Attendez, où est-ce qu'on est là? Ah! D'accord, je vois qu'on est. C'est par là qu'on est arrivé depuis le début. Ouais. Donc on a sauvé notre premier groupe d'ouvriers ici, là. Hein. Hein, j'appelle ça des ouvriers. Ouais. Hein. Alors, on y va, on y va. Ah ben, j'ai qu'à activer cette quête-là, hein, comme ça, ce serait bien. Hein. On aura un visuel. L'emprise du lion, voilà. C'est ça, hein, voilà. Activer. Voilà, des villageois. Des groupes de villageois. Donc, ce n'est pas des ouvriers. Enfin, si, ce sont des ouvriers. Ce sont des villageois qui ont été enlevés pour, hein, pour travailler dans ces mines, là, pour extraire le lion rouge, pour ces gars-là, là, les templiers rouges, là. Alors, un coup de poing. Coûte bien. Un coup de poing qui va bien, vous voyez, hein, ça va. Reculé, ça l'a, enfin, ça l'a interrompu, hein. Dans le jargon, on appelle ça une interruption. Donc voilà. Voilà, on peut aussi dire que ça l'a bump, hein, n'est-ce pas? Voilà, on l'a bump, c'est-à-dire qu'on l'a éjecté en arrière. Voilà. Je vais pas vous sortir tout le vocabulaire quand même. Hein. Voilà. Voilà, donc tac, tac, tac. Donc quand on se fait bump, bah, on tombe par terre, n'est-ce pas? Et puis le temps qu'on se relève et tout, voilà. Donc l'ennemi peut en profiter, n'est-ce pas? Eh bah, ben nous aussi, on va en faire pareil. Allez. Quand est-ce qu'on s'est fait mal? À cause de lui là, lui là, là, là. Lui là. Allez. Voilà, parce que le temps qu'il se relève, voilà, il se prend un coup de poing, il tombe, et il meurt. Ouais, il meurt parce qu'il avait plus assez de vie. Voilà. Alors toi aussi, meurs l'animal. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors. On a quand même perdu une popo hein, dans l'affaire. Hein. Tout ça parce que je ne suis pas concentré. Hein. Quand c'est trop facile comme ça, je me concentre pas. Et puis j'ai tendance à... Bah, sous-estimer l'ennemi, en gros, on va dire ça, et puis voilà. Alors qu'à l'inverse, si les ennemis sont super puissants, je vais faire super gaffe. Donc voilà, enfin, vous voyez le truc. Hein. Alors, il n'y a rien là sur cette petite plateforme. Allons de l'autre côté, hein, de l'autre côté, là, il y a, hein, non, il n'y a pas d'échelle. J'allais dire, il y a une échelle, mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Pierre d'aurore. Ok. Oh, c'est bon les gars, vous êtes sauvés, hein, vous pouvez y aller. Hein. Faites-nous sortir! Oui, on va te faire sortir, t'inquiète pas. Allez, Serra. Voilà, tac. Tac. Vous avez libéré tout le monde?
Voilà, donc voilà, ils mettent villageois libérés. Donc on aurait pu penser qu'il fallait en libérer 5, mais en fait c'est 5 groupes de villageois. Hein. Voilà, j'insiste là-dessus. Ouais, moi j'insiste. Parce qu'il faut insister. Hein. C'est important hein, de bien comprendre l'objectif. Hein. Hein. Parce que déjà, il faut comprendre l'objectif hein, avant de faire la quête hein, requise. Hein. C'est là? Ouais, super. Alors, consigne de travail. Ok. Consigne de travail. Hein? Hein? Il y en a un autre? Il y en a un autre par là? Où est-il, le machin? Bon, ah, j'en sais rien. Bah, on va fouiller alors. Donc, fouillons, allons par là. De l'autre côté, on a déjà été. Va monter donc, par conséquent, voilà. Est-ce que t'es par là, le machin qui sonne? Non. Tu serais pas par là. Mais ah, mais regarde où c'est. Déjà, faut regarder l'indication. Voilà, c'est par là, là. C'est sûrement sur ces caisses. Voilà, une lettre. Alors, lettre de confirmation. Ok. J'ai Voilà, trouvé le tac. maître de Samson. Ok, une lettre de Samson. Et si on... Et ça fait quoi si on grimpe là? Eh ben, ça fait rien du tout. Bon, d'accord. On a grimpé pour rien. Et là-haut, là? Ah, oh, non, non, pas ici. J'aurais bien essayé de sauter directement, si possible. Hein? Ouais, je pense que c'est possible. Il suffit juste de. Ah, de faire le con, il va tomber! Voilà, là, de sauter de là, je pense. Oui. Ouais, hop, mais ça m'amène nulle part. Et sur la plateforme, là-bas, il y a quelque chose. Hein? J'en sais rien, essayons. Hop là! Waouh! On a foiré notre saut! De toute façon, c'était trop loin. Ouais, c'est trop loin. Ouais, oui. Eh oui, c'était trop loin. Hein. Bon, c'est pas non plus Lara Croft hein, qu'on a là. Hein. Alors, on va redescendre, hein, vu que maintenant, on a trouvé l'objet caché. Ah, aucun intérêt de rester là-haut. Nous sommes arrivés par où, les amis? Par là, hein. Ouais, par là. Par là. Ça m'est arrivé par là, ouais, c'est bien ça. Hein, bah, je vérifie quand même avec la carte. Voilà, pierre d'or. Allons par ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ce chemin qui descend comme ça là? Hein? Ça nous emmène où? Ouh, bah, ça nous emmène vers d'autres templiers rouges. Alors, d'après le radar, ils sont 4, 5. 5. Ils sont 5. Hein. Donc méfiance, méfiance. Ah bah, il nous a repéré. Bon, alors regardons ça. Un tireur. Un lieutenant. Un tireur planqué là. Un tireur planqué là. Allez, on va le débusquer. Lui. Il est planqué. Ça doit être bon ça. Ah voilà, il s'y fait aspirer. Magnifique. Allez, coup de poing peut-être. On va la voir, non? Ouais, on l'a eu, elle est hop, 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 attention à lui là. Attention, attention. Hein? Allez, tout le monde dessus. Mais... Allez, tuez-le. Allez, coup de poing. Allez, le temps qu'il se lève va mourir. Oh! Oh, Vivienne, elle a crevé. Oh, c'est lui là. Foiré, tu vas voir. Et tu vas voir, mec. Allez, tu vas te prendre un coup de poing. Tiens. Bon, alors tout le monde sur lui là-bas. On va le calmer. On va le calmer. On va le calmer. S'il veut pas se calmer de lui-même, on va le calmer nous-mêmes. Voilà. Alors, vas-y. Super, voilà, tac. Alors, attendez, où est-ce qu'on en est? Il y en avait un à côté de nous là qui. Ah, il bouge pas lui. Mon avis, il a bugué. T'as bugué? Ouais, mais c'est bien, il bouge pas. Laissons-le où qu'il est. Occupons-nous du lieutenant. Non, non, c'est bon, il est mort maintenant. Pas lui, hein. Il reste plus que lui. Coup de poing! Non! Coup de poing! Ouais, on l'a eu. On l'a eu. Un autre coup de poing, mec! Ah, je sais que t'aimes ça, les coups de poing de pierre.
Bon bah voilà. Hein? Ah, c'est bon, tu vas te calmer, mec. Et oh, on arrive. T'inquiète pas, voilà. Cool. Cool, Raoul. Voilà. Voilà, tu vas te sauver. Toutes les cages sont Voilà. ouvertes. J'en sais rien. Non, il nous manque une cage. Hein, voilà. Va y arriver, vous inquiétez pas, on va le trouver, votre cage. Alors, on va looter maintenant. Ok. Ok. Alors, celui-là. Alors, il y a deux chemins, n'est-ce pas? C'est chiant, ça. C'est chiant, en même temps, bah, ça nous oblige à explorer. T'es là-haut, le machin, ou pas? Je pense qu'il est là-haut. À mon avis, il doit être là-haut. Ici, là. Là, il y a une lettre. Non. Et c'était pas visible du tout. Hein. Un Bon, message de ceci voilà. concernant la diffusion du lyrium rouge. Ah bon? Ah bon. Y a quoi là? Oh, un spot. Allez, à gauche, un peu à gauche, voilà. Un peu à gauche encore. Allez, à gauche. Voilà. Voilà, il suffit de trouver le spot. Et puis on lui défonce le machin. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, y a rien. Hein? Où c'est que ça nous emmène? Ça nous emmène ici? On a déjà ouvert ça? Hein? Où est-ce qu'on est là, les amis? Il faut aller là, là. C'est par là, non? J'en sais rien. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ce chemin? Alors, je m'en rappelle pas, ça me dit rien du tout. C'est peut-être par là. Hein. C'est peut-être par là. Alors, il y a deux chemins. Bah. Mais c'est par là alors. C'est sûrement par là. Ouais, ça me dit rien ce machin. Ouais, je pense qu'on n'est jamais venu là. Hein? Eh ben si, nous sommes déjà venus! Voyez-vous ça? Hein? On a libéré tout le monde! Peut-être par là? Allons-y. J'espère que j'étais partout. Hein? Allez, c'est par là? C'est par là? Je dirais qu'on se rapproche quand même. Ben on est déjà venu là, non? Alors là, je suis perdu. Voilà. Allons voir quand même. C'est quoi ça, pierre d'aurore? Je l'ai pas pris. Donc, on n'est pas venu par là? On n'est pas venu par là. Si, on a libéré le monde là. Eh ben si, on est déjà venu là, mais on n'est pas passé par ici, je pense. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, on n'est pas passé par là. Ok. Bon bah, ça a l'air d'être par là. Je dis bien ça a l'air. Hein. Ah. Eh ben, en fait, c'est là où qu'on avait mis notre marqueur depuis le départ. Ah ouais. En fait, on voulait aller là, puis on a fait tout le tour, on a fait ça, ta, 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 voilà. Ah, on est revenu par là, on a fait ça. Ok. C'est quoi ça? Note laissée par une chasseresse dans un campement abandonné indique qu'elle est poursuivie par un examen et qu'elle a l'intention de renverser la situation. Bon, déjà, on va venir là. Toi, t'es quoi, toi? Aidez-moi. Tout va Vous avez bien? mauvaise mine. Qu'est-ce qui ne va pas? Les cuisses rouges. Je les sens au bout de mes doigts, sous mes ongles, sous mes paupières. Je sais ce qui m'arrive. J'ai une lettre pour mon bien-aimé. Pourriez-vous la cacher dans l'arbre creux qui est marqué près de la rivière? Quand il rentrera de la guerre, il saura où chercher. Ça
vaut mieux qu'il me déteste et qu'il passe à autre chose. Bien sûr, on va faire ta quête. Hein. Nous sommes là pour ça. Nous faisons toutes les quêtes possibles et inimaginables. Alors, un schéma de poignées ornementées de bagues. Merci, merci. Alors... Faites-nous sortir. Bon ben voilà. Voilà, voilà, le dernier groupe de villageois. Allez, dehors, tout le monde. Allez, vous êtes libres. Magnifique. Magnifique. Vous nous avez sauvés. On va pouvoir rentrer chez nous. En attente de jugement. Jugement de quoi? Bon. Bon, 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 bon. Alors, jugement, jugement, jugement. Faut essayer de trouver ça, là. Alors, je sais pas du tout par où on peut aller. Qu'est-ce qui sonne? C'est toi là-bas qui sonne. La grâce est sylvestre. Ouais, mais je sais pas du tout par où aller. On va essayer par là. Ou bien par là. Hein, ou bien... Je ne sais pas. Si on pouvait essayer de retrouver le chemin, là. Ce serait bien. Hein? Ok, on est déjà venu là. Quoi bizarre? Hein? Hein? C'est toi qui est bizarre, t'as vu ta tronche? Y a un problème là. Tiens. Hein? Bon. C'est le lyrium rouge, voilà ce que ça fait quand on prend trop de lyrium rouge. L'abus de lyrium rouge est très dangereux pour ta santé. Attention. Et après, ça vous fait pousser un crâne sur votre tête. C'est pas ça qu'il a dit, le méchant, là. Je vais te faire pousser des cristals dans ta tête. C'est peut-être ça. Par là? Aucune idée. Aucune idée. Je suis perdu. Nous sommes perdus, j'y. Alors, où es-tu? J'ai dit que je suis perdu, mais on se rapproche quand même. C'est magnifique, hein. Heureusement que je suis perdu. Hein. Ah bah voilà. Je serais pas perdu. Hein. On aura retrouvé le chemin en 2 secondes. Alors. Hein. Hein. C'est quoi ce pince? Renversement, c'est une note laissée. Ah, c'est une zone. Ah, c'est une zone, il faut fouiller. Bon, bah fouillons. Ah, c'est toi là. C'est toi là, lire, lettre à la famille. Voilà. Alors, c'est terminé, c'est fait, je l'ai eu. Je rentre à mon vieux camp pour récupérer la lettre que j'ai laissée à ton attention. Et je quitte cet horrible endroit. Je n'ai plus besoin de rôder, de me cacher derrière les arbres et d'effacer mes traces. Je suis libre et je rentre à la maison, Diane. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tiens, n'est pas passé par là. Alors, c'est quoi ça? Ça nous mène où? Bah, ça nous mène qu'on est au-dessus de la carrière. D'accord. On est au-dessus de la carrière. Alors, voilà. Ah ouais, 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 d'accord. Ça nous mène par là, là, vers le truc. Là. Enfin, vers le feu voilé, la rune. Ok, je vois, je vois. Bon bah voilà, ça c'est joli, c'est bien, c'est bien. Alors il y a plein de trucs ici au village de Sarnia. Ok, ok, bon bah allons-y, on va aller voir ça d'abord. Et tac, tac, allez on y va. Cool. Se rendre sur place, allons-y, on va essayer de torcher la zone. Ouais, ouais, torcher la zone. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Du coup, on a dû avoir fait. On a quelques réquisitions de prêtres, non? Ouais, deux, c'est magnifique, voilà, tac, alors, étude géologique, fabriquer l'objet, ok, voilà, magnifique, du coup, t'as une réquisition? Ouais, vas-y, donne-moi là. Ça peut valoir le coup, alors, manteau à l'emprise, d'accord. Ok, alors, manteau épais, alors les forces de l'inquisition sont mal équipées pour la montagne, d'accord, allez, attaque, manteau épais. Magnifique. Magnifique. Allez, une autre. Si vous avez une minute. Oui, j'ai bien une minute. Alors, donne. Aboul. Vous devriez regarder de plus près.
Ouais, d'accord, regardons plus près. Ah, oh, bah c'est la même. C'est la même, ça. Étude géologique, ouais, c'est la même. Voilà, mec. Voilà, t'as autre chose. Un message pour vous. Au rapport. Vous devriez regarder de plus près. Encore? Oh, mais... Bon, on va la faire, puis on va arrêter. Voilà, voilà. Allez, on arrête. On s'en va, on s'en va. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a ce qu'il faut. On va s'amuser à faire 500 trucs de puissance. Hein. On les a tous. On en a déjà pas mal. S'il nous en manque, on verra à ce moment-là. La grand-mère de Maë. Elle a disparu. Perdu quoi? Disparu. Hé, grand-mère. Créateur, je m'agenouille devant toi. Car je n'arpente que les sentiers que tu tiens en ta sainte garde. Je n'approche que des lieux que tu as bien voulu bénir. Je ne chante rien d'autre que les paroles que tu me souffles. Mon créateur, voilà, c'est bien. Regarde. T'arrêtes de parler, toi. Oh. Bon, voilà, on a rendu l'anneau à la grand-mère. Et toi? Vous avez menti à tout le monde. Vous saviez ce que les Templiers Rouges manigançaient. Mais vous avez accepté leur or et gardé le silence. Oui, j'ai accepté de l'or. De l'or et beaucoup de provisions, ce qui nous a permis de survivre. Il y a tellement d'orphelins à Sarnia. Qui les a protégés après la disparition de leurs parents? On ne pouvait pas s'enfuir, pas avec la rivière gelée et les démons. Si j'avais ouvert la bouche, ils m'auraient tué, moi aussi. Alors je les ai laissés se servir. Et j'ai prié pour qu'un jour, quelqu'un comme vous vienne les anéantir. Tout ce qu'il nous restait à faire, c'était survivre jusqu'à ce que ce moment arrive. C'est le cas, non? J'avais raison. Non, vous avez fait beaucoup de victimes. Les gens ont été enlevés et infectés par le lyrium rouge. Tout ça à cause de vous. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Vous me voyez vraiment me battre? Ces pauvres gens seraient morts d'une façon ou d'une autre. Au moins, comme ça, certains ont survécu. Ouais. Et... J'ai vu ce que ces Templiers ont fait aux autres. Si vous nous aviez pas libérés, j'aurais pu être le prochain. J'ai trouvé vos aveux. Vous avez tué le frère de Lynette. Non, c'était un accident. Il allait tout me prendre. Ne le répétez surtout pas, Lynette. Laissez-la croire que Gar est mort à la guerre. Lui donner la lettre d'aveu, c'est ça, c'est la lettre d'aveu. Pourquoi t'as fait une lettre alors, si tu veux pas qu'on le sache? Il faut qu'il le sache. Elle a le droit de connaître la vérité. J'allais mourir. Maintenant, on a enfin une chance de prendre un nouveau départ. Par pitié, je vous en supplie. M'en fous, je vais te dénoncer. On va faire le salaud. On va le dénoncer. Attends, Michel. Michel. Pas d'ennui en vue. Ouais, j'ai tué Ismaël. Le démon est mort. C'est enfin terminé. J'aurais voulu l'entendre hurler, mais... Sarnia est sauvée. C'est une excellente nouvelle. À présent, je suis libre de choisir une nouvelle voie. Ce serait un honneur pour moi de servir l'Inquisition, si vous m'acceptez. L'Inquisition vous accueille à bras ouverts, Michel de Chevin. Je vais retourner à votre avant-poste. J'attendrai vos instructions. Et voilà, un nouvel agent recruté, c'est magnifique. Là. Voilà, puissance plus 2, impeccable. Assigné une opération. Ah, trop tard, j'ai pas le temps de lire. Agent recruté, c'est magnifique. Nous recrutons des agents. Il y a plein de trucs qui sonnent, mais bon, on va laisser tout ça. Oh, mais il reste quelqu'un là. Ah, c'est Lynette. Ce serait pas Lynette? Oui, on a dit qu'on allait faire le salaud. Hein, voilà, Lynette. Lynette! Je croyais mort depuis le temps. Je n'espérais plus. Ouais, on va faire le salaud. Lui a tué votre frère. Louis a écrit ses aveux. Il a assassiné votre frère. Non, c'est impossible. Gar est parti faire la guerre. Il s'est engagé dans l'armée de l'impératrice. Je voudrais rester seule. Laissez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Oh là là là. Les salauds. Nous sommes des salauds. Pourquoi vous lui avez répété? On aurait pu être heureux. Eh ben, je m'en fous, moi. Fallait pas le tuer, le gars. Hein. Tu l'as tué.
Maintenant, il faut répondre de tes actes. T'as de la chance qu'on peut pas te juger, hein, parce que moi, je t'aurais tout de suite... hein. Non mais, non de tout. Non de tout. Alors, Blacko l'a désapprouvé, hein. Mince, alors, c'est pas cool. C'est pas cool. Bon, on va aller là, hein. Allons-y. Avant, normalement, une. Il y a pas qui défilait dans le coin. Normalement, deux. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Voilà. Et six. Ouh, magnifique, magnifique. Sept. Ouh. Waouh. 8. Mais c'est où? 9. C'est fini? Non, c'est pas fini. 10. Oh, tu tournes les 11. Ouais, magnifique. 12. 13. C'est tout? Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. 14. 14 effildés, magnifique. Alors si vous voulez farmer de l'effildé, hein, venez là, hein. Il y en a pas mal. Ah là, c'est cool. C'est cool tout ça, c'est magnifique. Alors, attendez. C'est quoi cette gratouille de nez là? Hein? C'est obligé, c'est toujours comme ça, c'est quand vous jouez que le nez vous gratouille. Hein. Hein, pas forcément le nez, hein, ça peut être autre chose hein, qui vous gratouille. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qui sonne? Ouais, Fadorty, je m'en fous. M'enfant, oh! Ça nous fait 17? 17! 17 et filté. C'est magnifique tout ça. Alors, c'est par là. Un peu de Fadorty pour changer, hein. C'est quoi qui sonne comme ça, là? Gracieux Sylvestre, ok, on s'en fout. Par là, on a dit. Alors, c'est quoi ça? Placé. Ah, donc on a fait une quête, voilà. C'est la quête de la fille qui était en train de mourir, là. Alors, par ici, je me rappelle, on était venu là, hein, on a pris le site important, et puis oui. On s'est arrêté là, on a fait demi-tour, on est parti de l'autre côté, voilà. Ouais, alors grâce à Sylvestre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pierre de sang. Bon, bah, dis bien. Hein, on va aller. Tenez, on va aller fouiller par là quand même. Non? Non, c'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Alors, par ici maintenant. Hop. Alors, par là. Pierre de sang. Ouh, un petit coffre là qui surgit de nulle part, magnifique, une côte, un schéma de poignet. Alors de la grâce Sylvestre, c'est magnifique. On récupère des ressources. T'as un cochard, merde, salope de cochard. Voilà, salope. Oui. Il a rien lâché. De la Félandaris, voilà. Alors, attendez, il y a un Porsche, là. Ouais. Hein? Oh! Petit coffre. Ça, c'est magnifique. Une petite ceinture de résistance électrique. Allez. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Lire. La chasse. Bon. Si bien. Qu'est-ce qui sonne? Ce qui sonne, c'est derrière le mur. Oui, parce que la fonction de scan est très puissant, ça passe à travers les murs. Ah bah voilà, c'est de la grâce Sylvestre, magnifique. Allez, il y en a une autre là. Non, lire le journal laissé ouvert. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Du pognon. 140 pièces d'or, ça va, c'est généreux. Comme ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une faille! J'ai glissé! Moi je m'en vais! Non, je m'en vais pas, je fais le tour pour descendre, voilà. Voilà, on peut descendre là? Ouais.
Voilà, allez, on va le foutre sur les goules à la faille. Et la faille, j'arrive, vous allez voir. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a? Ombre. 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 Que des ombres. Ouais, 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 ouais. Alors, tac. Ok, ok, un petit coup de poing dans ta tronche d'ombre. Voilà. Ah, t'as vu, toi, t'as voulu contourner, hein. J'ai la science. Voilà. Pas contourner. Point. Voilà, ça t'a éclaté, non? On t'a éclaté la gueule, voilà. Allez, on y va. On lui fout sur le poutre. Voilà. Voilà. Allez, on va le poutrer. Bien ce qu'il faut. La science. Il m'a pas touché, nananère. Tiens, mère. Meurs! Alors là, il y en a deux, on va faire ça, regardez. Logiquement, l'autre là-bas, il va rentrer dedans. Hein? Pourquoi ça n'a pas marché? On recommence, voilà. Alors, l'ombre, il va mourir. Ok, l'autre. Allons-y, coup de poing dans la tronche. Allez! Coriace quand même! Hein? Voilà, on se déplace, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Hein? Mais. J'y crois pas. La faille s'est réinitialisée ou quoi? Ah oui, c'est réinitialisé. Oh bah non! Oh bah non! On a trop reculé, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Attention, attention, surtout, 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 on reste pas ensemble, voilà. On se dispatch. Allons-y. Il arrive, lui, ou pas? Voilà, il arrive. Ouais, envoie-lui ça, toi. On va le conjurer, il ne bouge point. Voilà. Allez, 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 le coup de poing. Ah! Tu vas voir ta tronche. Alors, ils nous ont interrompu, ces animaux. Alors, lequel a été? C'est lui, hein. C'est lui qu'on était en train d'essayer d'agresser. On va s'en aller par là, voilà, comme ça. Tac. Allez, c'est parti. Eh ben, dis donc, il nous fait des super sauts. Hein. Coup de poing dans ta tronche, voilà. Allez, merde. Voilà, c'est bien. Alors, toi, maintenant. Toi, maintenant, on va te calmer. On va te faire une traction des abysses. Une poêle dans ta zone. Voilà. T'aimes ça, hein? Hein? T'aimes ça, te fera-t-il? Tiens, allez, c'est bien. Allez, l'autre, maintenant. Allez, coup de poing! C'est-il pas beau, tout ça? Alors, attention. Attention, t'es où, Vivienne? Vivienne, rapproche-toi. Rapproche-toi, Vivienne. Pour qu'on dissipe ces animaux. Ah, il y en a deux là-bas. Ah, tiens, occupe-toi de celui-là. Et puis nous, celui-là. Alors, ça nous donne quoi? Voilà, ça nous donne, il ne reste plus que toi là. Hein? T'es bien embêté, hein, t'es tout seul, mec. Alors, t'apparais? Oh non, non. Oh non, non, il a bugué, mon perso a bugué, voyez. Alors quand c'est comme ça, on passe à la vue à la troisième personne. Donc la vue normale, on va dire. Et puis on saute. Allez, on saute, voilà. Le fait de sauter, hein, débloque le personnage. C'est quand même rigolo, hein, il fallait le savoir. C'est toujours pareil, alors. Coco. Non, c'est rare, tu peux t'en aller par là, voilà, faut pas rester en face. Et il faudrait que je te recharge tes potions de force. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on lui met des coups de poing. Hein? Ah, c'est... nous sommes en face, c'est pas bon. C'est pas bon, nous sommes en face. Calme-nous.
prends ça. Ah bah Thibaut, t'as mouru. Ah bon, 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 il a pas fait grand feu. Le démon de l'orgueil, fermez la faille. Allez, on ferme. Magnifique. Alors, qu'est-ce que t'as lâché comme étude? Une essence à la con, voilà. Essence d'esprit pur. Et puis, augmente la durée des capacités des voleurs. D'accord, mec. D'accord. C'est tout? C'est tout ce que tu nous proposais? Hein? Ah tiens. Ah tiens, il y a quoi là-bas? Pierre de sang et puis là-haut. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut pas. Encore, on peut pas grimper là. Par là alors. Alors, lire. Exhumer des corps au clair de lune. Magnifique. Voilà, voilà, voilà. Ok. Ok, bah c'est bien. On va aller par là. Alors, le snoofer. Regardez, le snoofer. Voilà, le snoofer. On l'a buté. Alors, le snoofer. Il y en a beaucoup dans le coin, donc si vous manque du pognon, hein, si jamais vous êtes à court de pognon, bah, vous pouvez farmer les snoofers là et puis vendre leur peau, hein, ça rapporte pas mal. Ça rapporte quand même pas mal. Bon, c'est pas la folie non plus, mais bon, hein, ça rapporte du pognon. Hein, surtout qu'il y en a beaucoup, regardez, il y en a beaucoup, beaucoup. Là, il y en a beaucoup. Et puis, bah, ils sont pas trop résistants. Hein. C'est surtout ça. Enfin, il faut déjà être niveau 15 quand même. Hein. Voilà, regardez, il est déjà mort. Voilà. Vous voyez un peu comment ils ont crevé en quelques instants. Hein, voilà, donc un peu de ça. Je vous en avais 6 là. Voilà, 7, ça fait 13 pour de snoofer. Regardez un autre snoofer là. Ah oui, il y en a plein. Ah, donc si vous manquez du pognon, vous farmez. Hein. Ici, les snoofers. Vous faites le tour du lac, vous allez jusqu'à là. Enfin, une fois que vous avez tout nettoyé, bien sûr. Après, vous faites le tour du lac, comme ça. Là, là. Après, le temps, une fois que vous avez fait, vous avez là avoir le temps de faire le tour en revenant, bah, vous allez pouvoir en buter d'autres. Ce qui respawn assez vite. Voilà. Vous essayerez et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, tiens, un autre là, regardez, tiens, allez, tac, 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 allez, maintenant l'autre là-bas. Allez-y, voilà, voilà. Voyez un peu, ils sont pas difficiles à tuer, hein. Voilà, la smoother. Voilà, bon, alors on va aller voir ici, là, parce qu'il y a des trucs, on dirait. Hein? On peut grimper, là? Non, on peut pas grimper, bah, pourquoi on peut pas grimper? Hein? Et par là? Non plus? Et par là? Hein? Non, on peut pas. Et là, par ici. Un snoofer! Tenez, attaque, allez, allez-y. Allez-y, butez-le. Voilà, ils l'ont eu. Magnifique pot snoofer, hein. On va aller voir par là quand même. Il y a, apparemment, il y a une source de bois. Hein? Il y a une source de bois. Et oh, faisons le tour. Voilà, c'est quoi ça? Fadorti. Ok, il y a un bouquin là. Lire. Alors, la chasse, ok. La chasse. Magnifique. Alors, fouiller. Un bâton de foot de match de guerre. Là. La source de bois. Ok. Alors, c'est quoi qui sonne? C'est toi, Pierre d'Oro? C'est quoi qui sonne? C'est toi, Fadorti? C'est la Fadorti. Voilà, voilà. Alors, quelque chose. Point. Il y a un point d'interrogation là. Hop, 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 hop. C'est par où? Par où qu'on y grimpe? Par là? C'est un de ces mages que Cassandra recherche. Hein? Où ça? Où ça? Où ça? Quand ça? Quoi ça? Où ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Où est donc Ornica? Hein? Tac. Allez, un peu de je sais pas quoi, pierre de sang. Voilà. Oh, il y a un gros nounours là-bas. Un gros nounours qui se promène sur la rivière gelée. Pierre de l'or.
Hein, il est où le machin que Cassandra cherche? C'est eux là? Ah ouais, c'est magnifique. Vous êtes tous les poteaux? Vous êtes là? Super, ça va. Comme ça, on est en hauteur là. Ils sont combien? Ils sont trois. Ah, c'est Gordon l'a franchi. Mais oui, allons-y. Foutons-lui sur la gueule. Allez, coup de poing. Allez, congélation aussi. Coup de poing. Alors, ça donne quoi? Ah, mais c'est bien, il est mort. Le mage robot. Coup de poing. Pour Cassandra. Ouais, ça fait un mois. Serra, je t'avais dit, je m'étais mis là exprès parce que je me suis dit que tu vas rester en hauteur. Ben non, il a fallu qu'elle se rapproche, voilà. Bon, on loot, hein. On a looté, on a pris le petit coffre et tout, et tout, et tout. Voilà, il n'y a plus rien. Alors, c'est pour toi, Serra. Allez, on y va, rouleau. Allez, hop, hop, hop. Allez, Serra, ouvre-nous ça. Bon, alors, c'est pas fini encore. Eh, bah, dis donc. Un peu lent, hein. Fouiller. Ok. On loot, on loot, on loot. On regarde même pas ce qu'on apprend. Ce qu'on prend, les amis. On regarde pas. On est tellement confiants, hein. Hein. Voilà, c'est peut-être un tort. Parce qu'il se retrouve, on a pris un super truc. Ah, bah là, pareil. Pareil, pareil. Arrête de looter comme un porc. Gribouillage à peine lisible, d'accord. Alors là, on va prendre le temps. Hein, donc, forcément, quand je dis ça, il nous donne une grosse merde. Alors, masse d'armes ordinaires. C'est une masse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Une hache. À deux mains. Reproche des terres brisées, d'accord. Hache à deux mains unique. C'est bien, c'est peut-être intéressant pour Iron Bull. Voilà, chercher son nom. Je l'utilise tellement que je me souviens même plus de son nom. C'est pour vous dire. Bon. Ah, j'ai vu un truc là. C'est quoi? Ah, c'est de la fadortille. Ok, les amis. J'irai bien par là pour faire ça, puis aller voir là, et puis comme ça on revient par là, et puis on éclaircit la zone, et puis on va foutre sur la gueule à la faille là, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, allons-y. Allons-y. Nous avons établi un plan d'attaque. Hein. Le problème c'est que vous me connaissez, on va jamais le suivre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Un loup! Un loup! Allez, coup de poing dans le loup! Voilà, ça fait du bien. T'aimes ça, un loup? Loup, coup de poing dans ta tronche! Voilà! Bonne nuit, comme dirait Sarah. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est bien. Alors, ça donne quoi? Il a lâché un truc, le loup, non? Oh, il a rien lâché. Oh, le fumier, il a rien lâché. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un snoofer? Griffe de snoofer, ouais, des snoofers. Eh, c'est quoi ça, là? Vous sortez d'où, vous, là? Je n'arrête pas d'y penser. Occupe-toi, l'esprit. Hein? Tiens, je vais te faire une canne. Viens t'asseoir à côté de moi. Les poissons doivent être morts gelés là-dessous. C'est pas grave, hein? On fait pas ça pour les poissons. C'est pas grave. Ouais. On pêche pour le plaisir. Ah, tiens, coup de poing! Waouh! On a buté le snoofer en même temps. Voilà. Alors donnez-moi ça. Allez, donnez-moi de la peau de snoofer. Ouais, 10. Pure qualité, voilà. Alors après, vous êtes pas obligé de les vendre, les pots de snoofer. Hein, ça fait du cuir. Hein. Allez, butez-moi tout ça, voilà. Ah, voilà. Bon, et c'est quand même facile à tuer, ces snoofers. Hein.
c'est même trop facile. Bon, on va leur foutre la paix au snoofer, hein, quoi que tu vois. Tiens, prends ça. Voilà, c'est un peu comme les béliers. Vous vous souvenez les béliers? Hein, l'arrivée d'un... Hein, qu'est-ce qui se passe? Oh! Hein, le nounours! Il sort d'où, le nounours? Hein? D'où tu sors, toi, le nounours? Ce serait bien de cibler tout le monde. Voilà. Alors, attendez. Hein, on va l'affaiblir, le nounours! Voilà, écoute pas dans ta tronche de nounours! Oh, bah, Vivienne, puisque t'es à côté, tiens, mets-y des coups de l'âme spirituelle, mon ami! Vas-y, l'âme spirituelle! Mais pourquoi c'est toi qui te fais. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, t'as raison, frappe-lui le cul! Frappe-le pas derrière, voilà! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est fourbe, Vivienne! Coup de poing! Voilà, qu'est-ce qu'elle est fourbe! Hein? Tu pourrais peut-être même faire le rôle de l'assassin. Ouais. Alors on va te donner deux dagues et puis tu vas faire ça. Bon alors, va aller voir là-bas là. Qu'est-ce qu'il y a là en dessous là? En dessous le pont. Hein? Qu'y a-t-il derrière ce pont? Ah mais arnaque, y a rien. Y a rien de tout. Oh, notre nounours! Oh là, notre nounours! Attention, il y a des réfugiés là-bas. On va les défendre. Allez, à l'attaque. Allez. Point dans la tronche du nounours. Voilà. Il est tellement gros que, vous voyez, ça l'a même pas fait reculer. Black Wall! Blacky, fais pas le con! Va tanker! Voilà. Alors, il avait bugué, hein. Donc je l'ai débloqué. Voilà. Tac. Alors, j'ai une idée. Non. Tu n'as pas assez. Tiens, tu fais ça et puis tac. Allez, l'âme spirituelle dans la tronche. Voilà, allez encore. Allez, vas-y. N'hésite pas, la lame spirituelle. Coup de poing. Voilà. Allez, meurs le sac à PV. Allez, point. Vas-y, pareil, tu recommences. L'âme spirituelle. Allez, vas-y. Oh non, j'ai pris un coup. J'ai pris un coup, Vivienne. Voilà pourquoi je vous avais dit que j'aimais pas que les mages aillent au cac. Hein, surtout Vivienne, même si elle est chevalier enchanteresse, hein, donc logiquement elle est tout le temps sous barrière, donc elle peut aller au cac, hein, avec la lame spirituelle, ça fait pas mal de dégâts, hein, la lame spirituelle, mais bon, faut pas se faire toucher, hein. Vous avez vu, elle s'est fait toucher. Ouais, elle s'est fait toucher, hein, ça c'est pas bien. C'est pour ça que je préfère désactiver la lame spirituelle, n'est-ce pas? Hein, comme ça, bah, c'est nous qui commandons, donc on activera la lame spirituelle manuellement. C'est mieux comme ça. C'est, on va dire, plus safe. Hein, c'est plus safe de jouer comme ça. Voilà, alors, bon, surtout en cauchemar, hein, c'est plus safe. Hein. Bon alors, elle est où ta faille, là, qu'on la ferme, hein? Ah, ce serait pas mal de fermer cette faille. Où est-elle? Alors, tac, encore un peu de ça. Elle est là-bas. Elle est là-bas, oh. Oh, que des spectres. Que des spectres. Recule. Ah, non. Allez, aussi, on va protéger Vivienne. Voilà. Ce ne sont que des spectres. Allez, tac. Alors, le temps que Black Wall y aille, on va essayer d'en tuer deux ou trois. Allez. Coupe-point. Voilà. Parce que le temps que Black Wall... Cours comme un dératé pour aller tanker comme un dieu. Allez, vas-y.
Le démon du désespoir, faudrait le tuer rapidement aussi. Allez, 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 allez. Bon, allez. Vous m'énervez, vous deux là. Hop, on n'a plus de barrière. Ce n'est point bon. Ce n'est point bon, les amis. On n'a plus de barrière. T'y vas, Black Hole? Non. T'as pas bugué quand même. J'y crois pas. J'y crois pas. Et voilà. Voilà, voilà, du coup. Je sais plus où j'en suis avec ces conneries là. Ça coupe pas dans ta tronche. Voilà, voilà. Donc là, il y va. Il y va, Blacky. Hein. 3 heures après. Donc... Ah là 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 là. Ce bug, il me saoule sérieux. Il me saoule sérieux, ce bug. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi ils se mettent à bugger comme ça, les persos? Va savoir, Charles. Chiant, ça. Heureusement que c'est juste un perso. Imaginez, vous avez les trois qui buguent en même temps. Enfin, les quatre. Oh, bah alors là... arrête de raconter des conneries et puis dissipe-moi ça. Parce que voilà, je cause et puis voilà. On va se faire avoir. Allez. Ouh, juste. Voilà, c'est quand même pas mal de dissiper parce que ça réduit le nombre de mobs quand même. Hein. Allez, allez, allez. Allez, vas-y, vas-y. Meurs, meurs, meurs. Waouh, il y en a deux. Il y en a deux. Attention, il y en a deux. Il y en a deux. On va se protéger, nous. Tac, allez. Allez, allez, écoute. Ouais, voilà. Espèce de foiré de démon du désespoir. Qu'est-ce qu'on fait? Il est mort, lui? Non, lui, là. Faudrait le tuer aussi, parce que... C'est bon, il est mort. Allez, le démon du désespoir, prends ça dans ta tronche déjà pour commencer, voilà, et puis ça. Voilà, voilà, alors tu vas mourir en moins de deux, hein. Voilà, ça c'est impeccable, les amis, c'est impeccable. Fermez la faille. Voilà, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce que t'as lâché? Voilà, super. Je regarde même pas. Hein. Là, c'est noir. J'aime pas quand c'est noir. Hein? Non, tu peux pas. Bon, bah, tu peux pas. Bah, on va faire le tour, hein, si tu peux pas. Alors, tire ton corps, magnifique. Voilà, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas passé par là. Oh, mais il y a des snoofers, regardez ça. Ça me démange, j'ai envie de les buter. Bon, voilà. Voilà, oh, regarde, on trouve un petit bout là-bas. Un petit bout là-bas, allez, tiens. Voilà, c'est fait. C'est bon, t'es bien éclairci, la carte. Ouais, c'est magnifique. Bon, bah voilà, les amis. Alors, je pense qu'on a fait tout le tour de ce côté-là. Donc, voilà. Tout le côté gauche du pont, on va dire, maintenant. Eh ben, on va aller par ici, hein, mais pour cela, il va falloir lancer une opération ici, là, voilà, la croisée de Judas Kael. Hein. Donc, on avait déverrouillé une opération, n'est-ce pas, hein. Donc, on va aller la lancer, l'opération. Donc, il faut retourner faire un tour à Fort Céleste, voilà. Hein. Pourquoi? 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 Ah, t'es pas sérieux? Vas-y, je suis plus en combat, là, voilà. Carte du monde... Tac, tac, allez, on y va, go, allez, on y va, là, pas que ça foute, allez, tac, tac, allez, allez, retournons faire un tour. La force céleste, n'est-ce pas, hein, donc on va aller faire lancer l'opération, hein, qui consiste en fait à reconstruire le pont, hein, voilà, on va aller reconstruire le pont, et comme ça, on pourra traverser, aller boiter le cul des autres ennemis qui se trouvent de l'autre côté du pont, voilà. Voilà, il n'y a pas de raison que eux non plus, on les bute pas, on va y aller. Alors, avant, on va faire un tour. Ici, là. Encore à la table d'étude des créatures, n'est-ce pas,
Allons-y, allons-y, allons-y. Allez, c'est parti, c'est parti. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Que dalle? Oh, arrête tes conneries. Hein, que dalle? Ah, bonus de dégâts infligés aux Templiers Rouges. Magnifique. Magnifique, on va pouvoir leur faire encore plus mal aux Templiers Rouges. Bonus de dégâts infligés aux bêtes. Ah, oh, super, super, super. Super, alors là, c'est cool. Hop, hop. Allez, on y va. Allez. Allez, on va aller maintenant à la table de commandement. Au niveau de l'inventaire, on a quoi? Non, inventaire, j'ai dit. J'ai pas dit la carte. 32 sur 90, quand même. Ah. Bon, on va aller vider ça après. Allez, go, go. Go. Allez. On y va. On va leur foutre sur la gueule. Allez. Convoquer le conseil de guerre. Voilà, parce qu'il faut au moins ça. Hein. Il faut un conseil de guerre. Oh, un point d'atout. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'atout? Posture du cavalier. Non, 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 non. Schéma de mage. Ça serait intéressant d'avoir des schémas de mage. Hein? Non. Non. Pas de schéma de mage. Œil de lynx. Renforce le nombre de chercheurs qui étudient ceux qui s'opposent à l'inquisition. Plus de 50% d'expérience supplémentaire pour chaque ennemi étudié. Effet rétroactif sur ceux étudiés avant. Ah! Allez, on va prendre ça. Comme ça. On aura études améliorées. On a un autre point? On a vite un? Non. J'ai pas fait gaffe. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Hein. C'est bien puisque c'est comme ça. On va prendre l'œil de lynx à ce moment-là. Hein. Donc on va augmenter considérablement la portée de la recherche. Hein, enfin du SCAD. Voilà, voilà. Ouais, c'est magnifique tout ça, les gars. On a eu deux points. Oh, ça m'épate, hein. Et de lynx, c'est tout amélioré. Bon, bah voilà. Bon, bah, c'est bien. C'est magnifique. Une offre de l'armée. Alors, on a gagné 30 points d'influence. Ok, ici, alors, jugement. Le retour de la duchesse, 941. Ok, on a obtenu 120 points d'influence. C'est magnifique, tout ça. Négocier un marché pour les schémas d'armes. Ok, alors, on a obtenu un fendoir des Anderfell. Magnifique, magnifique. Bon, alors, t'es où, le machin, là? Restaurer la croisée de Judith. Ah oui, il y a ça aussi, il va falloir qu'on y aille, enquêter sur les cliffs elfiques. Donc on a déverrouillé la zone, mais il faudrait qu'on aille faire ça bon, plus tard. Restaurer la croisée de Judicael, voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Alors, c'est ça, hein. Nous, membres de la Société Orlogienne de Protection des Monuments Historiques, aimerions attirer votre attention sur l'état lamentable de la croisée de Judicael. Ouais, ce pont bâti en 856. D'accord, bah c'est le pont. C'est le pont, allez, tac. Tac, allez. C'est rien de blablabla, bla, 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 on y va. Let's go, allez, hop, nouvelle zone débrouillée, magnifique. Non, plus tard. Ouais, on ira plus tard, parce que... C'est quoi ça? Rumeur sur la lame de Sullivan. Bah, allons-y, faisons-la. Hein, c'est une pyramide, c'est forcément une nouvelle zone, non? Alors, nouvelle zone débrouillée. Rumeur sur la lame de Sullivan. Ok, ok. Bon. Bon, ah, on peut y aller. Non, plus tard. Parce qu'on va lancer des opérations, là. C'est quoi ça? Obtenir du cuir, obtenir du tissu. Non, c'est pas important. Régler le problème du seigneur, ouais. Assigner une fonction à Michel de Chevin. Ah oui, Michel. Alors, Michel, qu'est-ce que tu veux faire? Il a été exilé à la cour impériale, ce qui signifie qu'il connaît bien les dangers du jeu. Nous avons des nobles alliés qui pourraient bénéficier des conseils d'un homme aussi expérimenté, ouais. Il ne se serait pas du luxe d'avoir un autre contact dans le sud d'Andaïs. Ah. Alors, Michel ne peut pas grand-chose pour moi dans les antichambres du pouvoir à Val-Rayo, mais il connaît les éluvianes, contrôlées par les elfes d'Andaïs, d'accord. Je vais le faire travailler avec Solas et nos savants pour qu'ils découvrent tout ce qu'ils peuvent sur ces miroirs, d'accord.
Et Cullen, qu'est-ce que tu proposes? Michel était autrefois un berrier renommé, il a même battu le grand Luc Gaspard en combat singulier. Un officier doté de ce genre d'expérience pourrait m'être utile. Bon, allez, pour Cullen, tac, allez. Ouais, au boulot, au boulot, au boulot, allez, au boulot. Une occasion en or, c'est quoi ça? Par le créateur, ouais, 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 ouais. D'accord, pavé, 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 allez, fille pauvre. Joséphine, on n'a pas le choix, il y a qu'elle de dispo, pop, non? Non, ça, ce sont des ressources. On s'en fout un peu des ressources. Hein, c'est quoi ça? Cadeau pour Bianca. Ah, c'est pour Liliana, ça. Ouais, c'est impeccable. Allez, vas-y, Liliana. Voyons un peu ça. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Enquêter sur les glyphes. Non. Restaurer la judicatielle. Voilà. Restaurer la croisée de judicatielle. Voilà, voilà. Donc, déplacement rapide. Ah, alors c'est mieux de faire ça parce que ça vous évite hein, de vous déplacer. Vous atterrissez directement à l'endroit normalement du de l'opération, donc au niveau du pont. Hein. Alors Blackwall, Vivienne et puis Serra, c'est parti. Voilà, voilà. Oulalalalala. Ça va dépasser l'heure de jeu, hein, donc on va s'arrêter là, les amis, hein, pour cette vidéo. Je pense que c'est pas mal. Hein. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Alors si c'était le cas, n'hésitez pas à me le montrer en mettant des pouces, hein, voilà. Je vous invite également à la partager, aussi à réagir dans les commentaires, hein. N'hésitez pas, hein. Et pour les non-abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir et ça m'encouragerait pour la suite, voilà. Alors voilà, nous avons atterri sur le pont, hein, mais nous irons le faire, nous irons de l'autre côté. Sur la prochaine vidéo, donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ça là? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça doit être une réquisition, je pense. Voilà, donc voilà. Alors, sur ce, je vous dis à plus. Portez-vous bien. Ciao, ciao.